Donc, la dernière partie, en fait, toutes les dernières parties, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Louis est arrivé dans le groupe de chevaliers et il y a eu quelques aventures. Il y a eu une de ses quêtes a été de chercher des informations sur l'épée des prophètes. Et il a été dans une place où est-ce qu'il y avait un groupe de gobelins. Donc, avec ce groupe de gobelins-là, il y avait un cultiste. Ce cultiste-là vénérait quelqu'un qui s'appelle le Seigneur des Mouches. Et ils ont emprisonné ce cultiste-là. Par la suite, les chevaliers ensemble ont été chercher plus d'informations sur l'épée des prophètes. Et Louis a trouvé a rencontré une fée qui lui a donné des indices sur où trouver les informations. Donc, les joueurs se sont rendus en Italie, ont combattu un dragon et ont réussi à avoir un parchemin écrit par le roi David qui donnait des informations sur où trouver l'épée des prophètes. Les joueurs sont donc retournés à Camelot et ensuite, pendant qu'ils se préparaient pour leur prochain voyage vers la Palestine, où est-ce qu'il y a l'épée des prophètes Asseret, il y a le cultiste qui s'est évadé. Louis a réussi à intercepter le cultiste avant qu'il s'en aille et a tué le cultiste. Et maintenant, Louis et les autres chevaliers ont des informations comme quoi que le cultiste serait peut-être pas seul et qu'il y aurait un autre groupe de cultistes qui serait à quelque part pas trop loin. Les gars. Ouais. Bonsoir, ici Bob Lennon. Non, je déconne. Bref. Donc, vous êtes à Camelot. Avec la musique qui devrait commencer. Ouais, on l'entend. Oui. Donc, vous vaquez à vos occupations. La dernière partie, il y a toi, Wallan, qui était parti Gavin à la chasse. avec Gavin à la chasse, exactement. Et pendant que tout ça s'est arrivé, là, Gavin est parti à la chasse et quand vous êtes revenu, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé, puis tout. Le roi, Yvain, a demandé à Gavin, lui a donné une mission d'aller amener, dans le fond, un parchemin à un autre seigneur qui est un peu plus loin. Et il sera pas avec vous pour cette quête-là pendant que vous allez chercher dans le fond, le lieu où ce que les autres cultistes. Et donc, Wellan et Louis, vous allez donc avoir cette mission-là à deux. On se connaissait de base ou... Vous Oh non. vous êtes rencontrés pendant Ouais, que on a déjà on fait s'est des déjà missions rencontrés. ensemble. Ouais. Ouais, on est parti notamment en Italie ensemble. Enfin, on a fait la rencontre d'un dragon aussi au passage. Mais ça, c'est plus le perso de Gavin qui a pris, pas le tien. Cette mission-là. OK. Donc vous êtes tous les deux demandés à la cour du roi. Je quitte la cuisine et on y va. Hein. Allez. Direction la cuisine. La Alors salle la du trône. cuisine. Suis en train de manger, direction la cuisine, ça paraît logique. Donc, le roi vous dit qu'ils ont fini par trouver exactement où était
la place des cultistes. Et il vous envoie aller attaquer les cultistes et vous débarrasser d'eux. Ok, on sait ce que c'est, une grotte, une place, c'est un truc ouvert ou pas? C'est, dans le fond, une genre de, d'église noire qui a été sculptée à l'intérieur d'une montagne. Ouais, ok, donc c'est une espèce de grotte. D'accord, donc c'est une sorte de caverne religieuse. Si on veut, mais qui a été faite par des humains, là. Ok, c'est loin d'ici ou pas? Hérésie des humains! C'est... Ah, c'est loin? Ça va vous prendre environ 3 heures pour vous rendre. Ouais, donc en fait, on peut y aller, revenir avant que la nuit soit tombée et sans prendre de provisions, quoi. Ça peut être fait sur la journée. Oui. En partant au matin, ok. Bah, je propose qu'on parte au matin, on prenne 2-3 torches pour pas chacun, pour pas tomber à court comme la dernière fois et devoir faire une torche avec un slip de gobelin. Et puis y aller, quoi. Peut-être quand même prendre des provisions, on sait jamais. Si effectivement ça a 3 heures, on va plus s'encombrer qu'autre chose, je pense. Oui, peut-être, mais si jamais on finit attaqué par des gobelins, qu'on prend plus de temps. Ouais, si tu veux. Si tu veux, on peut. On peut. Mais honnêtement, si c'est les gobelins de la dernière fois, là on est deux, ça devrait pas tellement être un problème. On prend une ou deux rations chacun et puis c'est tout, quoi. Ouais. 3-4 même pour moi. Pas. 3-4 pour toi? Ouais. T'es un nain ou ça se passe comment? Non, pas du tout. En fait, tu... En gros, ce que tu vois, c'est que tu vois un mec qui est assez bien portant dans une armure tout en plaque. Donc, voilà. Tu te doutes que mon perso mange bien à la maison, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, ouais, bah du coup, on va chercher les provisions. On prend des torches. Je prends mon petit bouclier avec, pas le grand. Et puis, on se met en selle, quoi. Parfait. Mmh. J'ai bien une épée et un bouclier, moi. Hein. Oui. Ouais. Parfait. Mmh. J'ai pas mes stats. Ils sont sur Discord. Ils sont sur Discord. Ouais. Discord. Je regarde quand même si. Parfait. Oui, j'ai un épée, un arc. Donc, Wallan, je suis pas sûr si t'avais ton bouclier d'écrit dessus, mais si tu l'as. Non, apparemment j'ai pas de bouclier. Ok, donc mais t'avais demandé pour un bouclier, donc t'as un bouclier. Et ton bouclier te donne un d'armure et un de défense. D'accord. Donc deux d'armure, deux de défense, c'est bien. Ça va. Donc, vous arrivez, en avant les amis. Vous arrivez dans la caverne. Okay. Vous voyez qu'il y a une porte à gauche, une porte à droite. Et c'est ouvert, les portes? Oui, c'est pas des... ça c'est pas des portes, c'est comme des passages. Des couloirs? Des couloirs. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais, les tout petits passages où on peut passer carrément, quoi. Ouais. Ah, ok. Sachant que si j'ai bien compris, tu fais la taille de deux, mec, ça va être compliqué. Non, je passe dans le truc comme ça. Non, c'est une boutade. Non, je passe. T'inquiète pas. C'est un calembour. Par contre, je propose de passer devant, de pas te laisser passer devant, je vais passer en premier. Ok. Alors au passage, je sais pas si tu le vois, notamment quand je passe devant toi, je n'ai pas d'arme. Voilà, je passe sans arme devant toi, je vais à l'arme. T'as juste un bouclier en gros. Un bouclier et des gants. Tu vois. Ah. Okay. Ça, c'est un gars qui a trop joué le moine. Du coup, je vais regarder vite fait par les interstices si on voit de la lumière ou des gens, simplement. Enfin, ce qu'on voit, quoi. Au niveau des deux côtés.
Parfait, donc. Ah, une salle ronde. Bien. Et de l'autre côté? De l'autre côté, la même chose. Ok, bon, donc je dis à Wallen, du coup, il y a deux salles rondes, une de chaque côté. On fait quoi? On va tous les deux à la même ou on sait pas? Bah, si on va dans la même, on risque de se faire attaquer en embuscade. Alors que si on va l'un dans chaque salle, c'est nous qui prenons en embuscade. Pas forcément, parce que je sais pas si les salles sont connectées. Hein. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on est isolé de chaque côté, si on se fait attaquer par 3 ou 4 mecs, on est 1 contre 4. Quoi. Il reste le couloir. Bon. Du coup, moi, je m'engage dans la pièce à gauche. Et bah du coup, moi, dans celle de droite. Mais je reste quand même à l'entrée pour pouvoir me rabattre sur mon allié en cas de souci. Je passe à gauche. Parfait. Donc, je vais juste vous éclairer les pièces que vous puissiez voir. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Louis, quand tu rentres dans la pièce, tu vois que il y a une porte qui est dans le fond à la gauche sur la carte et une porte qui est vers le haut. Et, de toute façon, on est à portée de voix là, de toute façon, pour le moment encore. Oui. Okay. Bon, du coup, j'en profite pour lui donner ces informations-là. Mais par contre, c'est pas forcément une bonne idée qu'on se disperse là. On va peut-être mieux qu'on se regroupe quand même. Si c'est plein de cavités comme ça, c'est un coup à se perdre. Et il y a quoi dans la mienne? Il y a un chemin qui mène vers le haut, puis un chemin qui mène vers la droite. D'accord, donc j'ai la même chose, mais en parallèle. Ouais, par là et une par là, quoi. Mais ça pue un peu. Quoi. Est-ce qu'on n'irait pas tous les deux vers la porte du bas? Du bas? Du haut, tu veux dire? Non, du haut. Non, non. Par là. L'autre porte. Là? Moi là et toi là? Bah, y a la porte du haut. Toi, c'est une porte à gauche. Moi, c'est une porte à droite. Mais c'est seulement notre point de vue qui diffère. Donc ça reste en bas. Non, non, non. Ça, c'est en fonction de la carte. Dans le fond, toi, t'as... Mettons qu'il y va en parallèle, t'en as... T'en as une tout droit puis une à gauche. Oui, tu vas aller là, quoi. Oui, ça, t'en as une tout droit et une à gauche. Et moi, en fait, au lieu d'être à gauche, elle est à droite. Oui, c'est ça. Mais non, mais moi, je serais d'avis à prendre à droite. Ouais, bon, allez. Moi, j'avance à droite. Je pars là. Peut-être parce que si, du coup... D'accord, il y en a une en face et une à notre... Oui. Enfin, sur le côté montant, quoi. Ouais, en fait, ouais. C'est ça, en fait, c'est là si tu veux, t'as juste un trait et t'as les deux cercles. Oui, c'est très compliqué de t'expliquer ce que tu vois. Donc. J'imagine, ça me suffit. Je te demandais de brasser un jet de discrétion. Un jet de discrétion? Non, juste Louis. Discrétion, c'est... Je peux le demander à chaque fois, ça. Dextérité et... Et stealth. Stealth. Ok, très bien. Bon, bah, ça va être un dé. Attention, ça va être magnifique. Attends, je vais choper ta macro, vite fait. Elle est où? Elle est là. Je l'ai. Tac, et un... Et ça passe. Parfait. Donc, quand tu arrives dans la pièce, tu vois que il y a un cultiste qui, il y a deux cultistes qui sont là. Un des deux qui est en train de faire un rituel, puis l'autre qui est juste là, en train de marcher. Et Wallen le voit aussi, ça, du coup, s'il a fait la même chose que moi. Mais donc, Louis, tu réussis à te cacher et pas être vu. Avant qu'il se rende compte de toi. Et de ce que tu vois, le cultiste qui est
qui est en train de marcher. Il a l'air de se rendre vers la pièce où ce que Wellan est. C'est lui qui marchait en deux, d'accord? Oui. Ok, je vois le trou par où il va passer. Non. Ok, alors le truc c'est que logiquement je sais que par là il y avait, enfin en me repérant un minimum, je sais que par là il était censé avoir une pièce vu que j'avais vu le passage de l'autre tout à l'heure. Ouais. Et l'autre, celui qui est là-haut, il est en hauteur ou il est loin? Même plan que nous, il est légèrement en hauteur. Il est légèrement en hauteur. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que lui là, il soit au plus proche de moi et je le charge avec mon bouclier. Ok. Ça c'est pas mal le plus proche qu'il va être. Ouais. Ouais. Ok. Bah je le charge. Je le tamponne. Et je vais utiliser un point de volonté. Je vais utiliser un point de volonté. Voilà. Donc. Putain, moins 2. Ouais. Super. Donc, tu cours vers lui. Et ici, il y a des escaliers que tu n'as pas remarqué. Et tu t'enfarges dedans. Donc, bon, du coup, il va plus faire Wallon, il vient vers moi maintenant. Oui, il vient vers toi. Et Wallon, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu peux me rappeler le positionnement du truc? Je vois pour les deux entrées où est mon collègue et moi-même, mais est-ce que ma porte est ouverte? M'expliquer un peu la pièce aussi. Oui, mais c'est pas des portes, c'est des... J'appelle ça des portes, mais c'est des ouvertures. D'accord, ouais. Et en gros, là, t'entends, venant de la porte, de l'ouverture qui est à gauche, t'entends... Il m'étend un peu se péter la gueule. Ouais. T'entends qu'est-ce qui est clairement une personne en armure qui est tombée à terre. Bonjour. Du coup, il y en a un qui se dirige vers mon allié et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Ça, je le vois pas. Là, tu le vois. Non, ça, tu le vois pas. Qu'est-ce que j'ai dit là? Tu l'as juste entendu. Je l'entends. Faut que tu te déplaces vers la porte en fait pour voir ça. Je vois rien. Le passage. Je vais commencer par ça, me déplacer au niveau de l'entrée, enfin de la sortie, du coup. Parfait. Donc là tu regardes et tu vois Louis qui est à terre qu'il y aura un cultiste qui est proche de lui qui est en train de lancer un sort. Et le deuxième, je vois le deuxième ou pas? Fais un jet de spot. Un jet de spot? Investigation plus astuce. Moi je l'ai en anglais. Ouais, moi aussi, je t'assure. Investigation, c'est dans skill mental. Ouais. Investigation, ça s'appelle. Astuce, c'est wits. Ouais. Non, c'est resolve, je sais plus. Ouais, investigation, c'est ça reste la même affaire en anglais, c'est investigation. Ouais. 2 et investigation. Je le vois pas. Il est dans les compétences mentales. Mental. Ouais. Merde, je suis dans social. Bruh. 0. Donc t'as -2. C'est -3. Attends. J'ai Wits 2 et Resolve 2. Donc j'ai un 2 et un 0. C'est Wits. C'est chance, hein, c'est un D. Ouais. C'est ça, hein. C'est ça. Je me trompe pas. Du coup, c'est un jet de chance. Ouais. Donc, c'est un D combien? Un D10. Un D10. Un D10.
Allez, alors, tu peux pas... alors, du coup, tu peux pas les faire sur Roll20, donc tu vas les faire de ton côté. Ouais. Ouais. Alors, slash R, 1 des 10. J'ai fait 5. Donc, tu vois pas l'occultiste. T'es plus concentré, dans le fond, sur Louis qui est en train de se faire... de ce que tu peux réaliser, c'est Louis qui est en train de se faire battre par... par l'occultiste. Eh bien, comme je suis un maître archer, je vais tirer une flèche, tout simplement. Parfait, vas-y. Quel jet? C'est dextérité plus firearm plus ton arc. Alors, dextérité. Ah ouais, le maître archer avec 1, quoi, d'accord. 3. Et tu as dit quoi en deuxième? J'ai 3 en dextérité. Dextérité, arc et firearm. Ton arc, par contre, je sais pas, c'est 3. T'as 1 dans c'est 3L, ouais. Firearm, j'ai 1. Ouais. Ouais. Donc ça fait 4. Le principe est plus que 4. 3, 7. Parce que j'ai dextérité 3. Ouais, ça. Dextérité 3, 1 pour Firearm, donc ça fait 4, plus 3 pour ton arc. Ça fait 7. Ça fait 7. Donc 7 des 10, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok. Slash. Ça fait longtemps, là. 7 des 10. ouais. Je suis un peu perdu. Alors, 42. C'est le nombre de résultats. C'est. Chaque réussite peut être une réussite ou un échec, chaque dé. Donc c'est chaque dé qu'il faut que tu regardes. Combien de 1 que tu as, combien de que tu as eu qui ont été 7 et plus, et combien qui a un 10. Alors, j'ai 6, 3, 8, 5, 3, 8, 9. Que B. Donc j'ai 2, 8, 1, 9. Ok. 2, 8, 1, c'est 9. Bien ça, c'est... Ouais. C'est plus de 7. C'est plus de 7 et... 7 inclus. T'as pas de 1 et t'as pas de 10. J'ai pas de 1, j'ai pas de 10. Parfait. Ok, donc ça fait 3. Donc ça fait 3 succès, en fait. Ouais. Et du coup? Du coup, tu tires une flèche sur l'occultiste. Tu le touches dans l'omoplate. Et son sort est... décasté. Donc, il réussit pas à lancer son sort. Il est annulé. Et voilà. Tu me dois la vie, Louis. Finalement, tu sais pas ce que je peux par terre. Hein. Bah, si tu t'es cassé la gueule, ça reste quand même très minable et il était en train de te jeter un sort. Donc, Tu peux agir ou pas? Ah, ben non, je peux agir. En fait, c'est au. Ah, c'est au cul du scalo. Il va falloir que je fasse ça. Copier-coller le. Zéro. Donc, il lance une boule de feu qui frappe le mur à côté de toi. Ils sont vénères, hein, les cultistes, là. Tout de suite, des boules de feu alors qu'on vient en paix, quoi. Ouais, attends, c'est pas fini, là. Non, on vient leur donner la paix. Enfin, le repos éternel, surtout. Ouais. Heureusement que tu vois pas l'écran, toi, par contre. Pourquoi? C'est le bordel? Bah, maintenant ils sont 6. Ah!
Et putain, ils attaquent en plus. M'en fous, j'ai trop d'armure. Le 4, mais non, 3. 4, 3, 4. 4 d'armure, man. Donc, Welland, tu te fais 3 de dégâts. Létal. Tu reçois une boule de feu dans le dos. Il a de l'armure aussi. Moins ton armure. Je sais pas combien que t'as d'armure là. J'ai 2 de défense et 2 d'armure. Parfait. Donc, 2 d'armure. Je crois que c'est ça. J'ai un bouclier, on a dit, donc j'ai 2 d'armure et 2 de défense. Non, parce que ta cote de maille t'offre déjà 2 d'armure. T'as 3 d'armure. 2 maille, 2 d'armure. Bouclier, ça fait 3. Parfait. Donc, dans ce cas-là, tu reçois une boule de feu dans le dos. Ça chauffe, mais t'as pas de dégâts. D'accord. Du coup, c'est Louis en premier ou moi? Louis en premier. Ok. Il y a toujours celui qui... on est bien d'accord. Il a combien de... Enfin, je peux le toucher, celui qui est devant moi, là? Lui? Oui. Il faut que tu t'avances d'un pas pour le toucher, mais ouais. Ouais, mais je le frappe, quoi. Je vais lui puncher ses dents. Allez. Je vais puncher ses dents. On y va. Wow. On y croit. 5. Succès. Parfait. Donc, tu le frappes et il tombe inconscient. Falcon Bench. Voilà. Direct. Ah ouais, direct. Ah non, mais c'est des merdes. Ouais. Hein. Il y en a un, l'autre fois, j'ai torturé avec un seau. Je lui éclate un seau sur la tête. Hein. Ah ouais. Ouais. J'ai aussi dire que T5 c'est quand même pas pire là, comme coup là. Puis ils sont pas super forts, mais j'ai aussi dire que c'est lui que t'as tiré avec la flèche qui vient de knocker là. Ah ouais. Oui ouais. Voilà, j'ai fait quasiment tout le travail. Oh l'autre. Tout de suite. Donc oh, tout de suite. Wellan, c'est à toi. Alors j'en ai un derrière toi. Ouais. Tu sais, oui, mais il est à quelle distance? 3 mètres. 3 mètres? Je peux me déplacer et l'attaquer à l'épée ou pas? Oui, mais pour faire ça, faut que tu abandonnes ton arc. Ton arc. Ou? Bah, je l'abandonne. Ok. C'est vite dit, je l'abandonne. Je le laisse là en attendant de pouvoir le récupérer, quoi. Oui, c'est ça. Et surtout qu'avec le bouclier, l'épée et l'arc, quoi, c'est compliqué. Ouais. On peut le mettre dans le dos, quoi, l'arc, mais bon. Ouais, mais là, ça me fait perdre un tour. Donc, je lâche mon arc et je charge l'épée en avant sur ce footer de merde, hein. Clairement, c'est pas autre chose. Je sens tellement la connerie arriver. Il va en j'essaie de l'empaler, quoi, sur mon épée. Fais, vas-y. L'instant. Et qu'il y a un petit pas de côté. C'est quoi comme jet? Alors, attends. J'imagine que c'est force. C'est ouais. Force. Donc 3. Plus. C'est force. Force, weaponry, puis ton arme. Ah oui. J'ai weaponry. Et bah, ça me fait encore 7. Ça te fait juste 7? Et avec ton arme là? Mais non, ton arme. Bah, ton arme a fait 3. Mon épée a fait 3. J'ai épée, weaponry qui me fait 1. Et j'ai 3 de force. Ah ouais, bah si, ouais, c'est ça. Mais t'as 7. Weaponry? Oui, j'ai weaponry. Oui, t'as 2 dans weaponry. Épée, ouais, j'ai 2 de dans weaponry, t'en rajoutes 1. T'as 3 avec. J'ai 9 du coup. T'as 9, ouais. Ouais, t'as 9, ouais. J'allais dire, parce que ouf. J'ai 9 au cac, moi, donc... Alors. Slash R. 9 des 10. Alors. C'est quoi les échecs critiques? C'est les 1. Ça fait moins 1. Bah, j'en ai 1. Quoi d'autre que t'as? Et j'ai, alors, 1 8, 1 7, 1 8, donc j'ai 3 réussites, moins 1 critique, 2. Ok. Donc, tu lui donnes un coup d'épée. Fais chier.
Fais chier. Bah ben, t'aurais pu juste pogner le 1 puis j'aurais dit que t'avais perdu ton bouclier. Quoi? Eh? T'aurais pu avoir juste le 1 sur le dé puis je t'aurais fait perdre ton bouclier. Fait que c'est mieux un 2 de dégâts sur l'ennemi que de plus avoir de bouclier. Bah ben, j'ai quand même des réussites donc voilà. Ouais, en fait dis-toi que 1-10 tu relances un dé. Oui, si t'as un 1, ça je me souviens du coup. Et par contre, si t'as un 1 et un 10, ça annule le 10. Ouais. Oui, ça aussi, je sais. Voilà, c'est tout. Et après, je me souviens un petit peu. C'est tout. Voilà. Donc, on va commencer avec lui qui attaque Wellan. Non. Grand festival. J'en ai encore 4 qui vont balancer des boules. C'est bien. Starful, là, ça va être la fiesta. Normal. Allez, relance le critique. Relance le critique. Ah, ça va. Bah, tu t'en fous. T'as juste à foncer dans le tas. Ouais, non, bon, oui, mais bon, ils sont espacés. Je vais pas commencer à lancer le bouclier, quoi. Je vais faire une Captain America. Oups là. Mais j'en ai 4. Pardon, il m'a glissé des mains. Bah, avec un peu de chance, il va te revenir dans les mains. Oh, ça va. Alléluia. Fais 1. Mmh. Hop. Je suis en train de manger en même temps. Tranquille. Oh putain, non, c'est sale. C'est sale. Qu'est-ce le pire, c'est que j'ai 4 d'armure, hein, donc tu t'en fais un de plus, une touche. Hein. Ah, ça va. Yes. Yes. Juste un truc. Il lance 7 dés, il fait 4 succès dont 3 critiques. Voilà, et j'ai 4 d'armure, donc il réussit un de ses critiques, il me touche. Ça va, il n'y en a aucun qui me touche. Donc, sur soi, 4 boules de feu sur toi. Une d'entre elles te touche le haut du bouclier et ça fait un gros flash en avant de toi. Mais tu sais, ça te blesse pas, ça fait juste comme... C'est un beau feu d'artifice. Quoi. Ouais, c'était proche, là. C'était proche. T'as réussi. Pas loin. J'ai pas passé loin. Photo, souriez. Et Wellan, toi aussi, t'as reçu. Tu t'es fait lancer une boule de feu, mais t'as réussi à le bloquer avec ton bouclier. C'est maintenant. Ouais, je suis le champion. C'est maintenant Louis. Vous m'entendez? Oui. Oui, okay. Maintenant oui. Est-ce que je sais quel est le plus proche de moi? Quel ennemi est le plus proche de moi? Lui qui est. Qui est là? Qui est là, ouais. Ok. Je vais. Je vais m'approcher de lui. Je vais faire en sorte de l'assommer et de m'en servir comme bouclier. Ok. Je vais lui mettre un pain histoire qu'il dodo. Et je vais le prendre pour me déplacer avec. Pour esquiver des boules. Parfait. Enfin. Un bouclier humain, quoi. C'est ça. Parfait, vas-y. Donc je me déplace vers lui. Fais ton attaque. Trois. C'est beaucoup moins que tout à l'heure. Non, c'est pas grave. Ah, pour info, du coup, je le frappe avec le gant hein, et pas avec le bouclier. Ok, donc tu le frappes, il est un peu sonné, mais il est encore conscient. Donc il faudrait que tu le refrappes un autre shot pour pouvoir... Ouais, ça marche. Donc, bon, il a pas dû aimer parce que les gants avec les pointes... Non, c'est sûr que non. Il a pas apprécié, ouais. Donc, Wellan, c'est à toi. Eh bien, du coup, je donne un coup d'épée encore. À ce fils de... À ce fils de culte qui arrête pas de me lancer des... Boules de feu. Des petites braises de barbecue. Donc, le jet. 9 des 20. 9 des 10, pardon. Et... J'ai... 8, 1,
10, 9, 7, 7. Donc j'ai 8. 1 et 10, il s'annule. Oui. 9, 7, 7. Donc 4. Oh, tu peux finir là, je pense. Oui. Et il tombe inconscient. Inconscient? Avec des dégâts létaux? Ben, il est à terre, là. Ben, il est mort, quoi. Ouais. Inconscient avec des dégâts létaux. Moi, je veux bien. Après, les dégâts létaux, c'est des dégâts aggravés. Donc, il est encore... il va... si tu le laisses là à rien foutre, il ira pas loin, mais là, il est inconscient. Ouais, il a tourné de l'œil, quoi. Il est pas assommé, il a juste tourné de l'œil, quoi. Ouais, c'est ça. Suite aux blessures, il est tombé dans les vapes, quoi, c'est tout. Bon, tu leur mets un pot, je pense qu'il meurt, hein, mais... Bah, tu le laisses là, puis tu t'en vas, et il va finir par mourir au bout de son sang aussi, là. Oui. Voilà, tout simplement. Bah, voilà, du coup, mon personnage, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer son arc et laisser ce fils de culte par terre. Malandrin par terre. Parfait. Quoi ? Donc maintenant, c'est au tour des cultistes. Donc, il tire sur qui là ? Sur moi encore ? Mais oui, sur toi. Ok. Il t'aime bien apparemment. Eh, c'est chaud, hein. Ils viennent de faire 2x3 là. Heureusement, j'ai 4 d'armure. Hein. C'est tendu. Hein. Mais même moi, j'aurais eu chaud. Ah, ça y est. Ça y est, il y en a un qui vient de faire un 4 avec un critique. Attention, j'ai peut-être enfin perdre un point de vie. Enfin. Et non. Non, bah non, toujours pas. Mais non, toujours pas. Enfin, franchement, en fait, ce perso, il est trop tanky en fait. Abusé. Donc... heureusement, il fait rien d'autre à part tanker, mais. Ouais. Donc, tu reçois 4 boules de feu encore que. Fait... mais que. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de torche en fait. Il y a une torche humaine avec les boules. Moi. Donc, Louis Senou, à ton tour. Ok, bon, je vais. Bon, le bouclier humain en fait, c'est pas une bonne idée, du coup, je vais finir l'autre qui est devant moi là. Pointe en avant, pleine tête. Parfait. Ok, 4 un critique. Tu veux que je te le relance? Si tu veux, mais il est mort avec ça. Ouais, non, bah je vais pas te le relancer, mais voilà. Parfait. Donc, Willan. Willan, c'est à toi. Il y a 3 cultistes. Ils sont quand même loin. Maintenant que t'as ton arc, tu pourrais décider de te battre à l'arc. Non. T'en as un à gauche, mais je suis dans ta ligne de mire. T'en as un à ta droite en longeant le mur et t'en as un en face. Ouais. Bah, moi, je vais tirer sur celui qui a le plus de chances de se prendre la flèche sans que Louis soit touché. Donc, mais je vais faire en sorte à ce qu'il soit pas trop proche de moi non plus, quoi. À droite. Moi, je dirais en avant parce que l'affaire qui est ici, c'est un pilier. Ah oui, avec l'angle, ouais, en face. En plus, il est légèrement en hauteur, donc logiquement. Ouais, en face. Donc voilà, j'en profite pour lui tirer une petite flèche des familles. Donc vas-y, lance ton attaque. Alors on avait dit 9, hein. On avait dit non, 7. 7. Alors 9, 8, 7, 9, 3, 7, 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Il en a 6. Ouais. Headshot. 6 sur 10. 6 sur 7. Bah. Ouais, 6 sur 7. Donc, comme Louis a dit, tu le pognes en tête, puis il tombe à terre. Maintenant, les deux autres. Boom. Tireur d'élite. Les deux autres cultistes. Tire sur Louis, le premier qui... Ah, il y avait un critique, le premier. Ouais, mais de toute façon, ça m'aurait rien fait. Parce qu'il y avait un moins 1. Ouais. Donc au mieux, t'aurais fait un... Ouais, non. Un 10. J'ai une armure qui aurait encaissé, donc... Au mieux, je fais un 10. Puis je rebrasse un autre critique encore. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, vas-y. Donc relance-les, ouais.
Ouais, bah non. Non, non désolé, c'est... Non. Donc, non. Tu te manges deux boules de feu qui fait pas grand-chose. Encore écho à l'arrière, écho à l'avant, c'est sympa. Donc, Louis, c'est à toi. Le plus proche, c'est celui qui est à gauche. En face de moi? Ouais. Ouais, à gauche, ok. Je peux, dans la même action, le charger, en fait, comme ça, je fais une seule action. Oui. Je me déplace pas et j'arme mon coup, je cours, quoi. Ok. Et là, au coup, c'est moi. Bah, du coup, avec le bouclier, hein. Non. Bon, c'est les mêmes avec le devant. 6 et 3 critiques. Ouf. Parfait, donc, brasse les critiques pour le fun. Ok. Juste pour savoir si ça sera de la bouillie. Non, ce sera pas de la bouillie. Ça reste à 6. Eh bien, il est quand même de la bouillie parce que écrasé contre un bouclier, ça ne fait pas du bien. Bah, bref, c'est surtout que là j'ai pris de l'élan. Hein, que... Oui. Donc. Coucou. Donc, il est à terre maintenant, c'est à toi, Wallan. Eh bien, une flèche hein, sur le dernier. Parfait, vas-y. Hop, hop, hop. 7 des 10 et... 7, 8, 2, 7, 5, 4, 3. Ça fait 3. Donc ça fait... Ça fait 3 critiques. 3 réussites, pardon. Ouais. Parfait. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Numéro tête. Parfait, donc Louis. Ah non, c'est pas vrai, c'est au. Non, c'est au cultiste. Ouais, c'est au cultiste. Donc là, soit il tire sur Wallan, soit sur moi. Ouais, sur Wallan. Bah, c'est plus facile à toucher. En fait, sur lui-même. Oh non! Il lance une boule, elle lui éclate la tête. Ouais. Moins 1. Ah, ça, c'est beau, ça. J'aime bien quand les PNJ s'entretuent. Oui, il s'entretue puis il est tout seul. Il saute au-dessus. Bah oui, justement. Oui, c'est ça. S'entretue lui-même. Kamikaze. Sauf qu'un kamikaze, c'est censé être utile, mec. Boum. C'est un peu ça, quoi. Ben, c'est utile. Oui, ça va être plus vite pour vous autres détruire. On va pas le tuer. Ouais, enfin... Qu'il nous aide ou pas, il serait mort quand même. Donc, Louis, c'est à toi. Comme j'avais dit. Mais là, il est loin, là. Là, il est loin. Ouais. Il reste du monde ? Non, non, il en reste plus qu'un. Mais le problème, c'est qu'il est loin de moi. Comme j'ai dit, combien de cases que t'as avec ta vitesse ? Attends, je regarde. Attends, je regarde. Comment on voit ça ? 7. T'as quelque chose, ça s'appelle speed, et t'as un chiffre à côté. Le chiffre, c'est le nombre de cases que t'as en marchant. Ah non, je suis la speed. Speed. Il resterait une case entre lui et moi. Alors, speed, où est-ce que c'est? Donc, speed. Reviens là. Je te l'accorde de l'avoir, vu que c'est avec vraiment le bouclier, là. Fait que tu fais juste comme le plaquer, dans le fond, là. Ouais, en fait, je fais une action de sprint, mais sur lui. Ouais. Ok, vas-y, bah je fais ça. Donc, brasse ton... Bah c'est... Ah oui, d'accord, c'est brasse ton attaque. Oh, 2 et 1 critique. Parfait. Ouais. Et... Ok, tu réussis... C'est 3. Tu réussis à le tuer. Ah ouais, il s'est explosé aussi. Lui. Ah oui, mais il avait pris une flèche avant encore. Ouais. Coup, ah bon ça... ouais. Ah ouais, c'est... C'est le dernier, oui. Il est mort là. Ouais. Il a pu le faire dans la salle, il y en a. Ok. Donc, vous... vous continuez de fouiller la place pour voir s'il y a des cultistes et vous voyez que il y a absolument rien qui il y a plus de cultistes en fait. Vous avez réussi à tous les tuer. Pas de parchemin, rien. Vous trouvez des informations, des livres ésotériques qu'ils utilisent pour ce qu'ils font. Eh bien. À table, je mange et je fais le maximum de place possible pour prendre le maximum de choses qui pourraient être vendues ou utilisées pour le roi, Ivan. Okay.
Ouais, et puis moi en fait je pense surtout tous les parchemins et tout ça pour les notamment les ramener à la cour, puisque on a l'alchimiste qui est avec nous maintenant à la cour. Oui. Du coup, lui pourra peut-être nous en dire un peu plus. Ou au pire, ça pourrait être utile pour lui, quoi. Vu qu'on n'a pas de magicien. Enfin. Donc, de retour à Camelot, vous vous donnez les choses au roi Yvain, les choses que vous avez ramassées. Mm. Et vous félicite de qu'est-ce que vous avez fait comme accomplissement durant cette mission-là.